c'est Damien Lamos. Je suis champion du monde de boxe thaï. Moi, en fait, voilà, j'ai grandi à Pessac, donc en Gironde, à côté de Bordeaux, en banlieue de Bordeaux. Après, j'ai commencé la boxe, j'avais 8 ans. C'est mon oncle, en fait, qui m'a mis dans la boxe. Et voilà, c'est fait tout naturellement. Lui, il m'a amené dans les salles, tout ça, dans sa salle. Et puis, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait que ça, en gros, comme sport. J'ai fait un peu de foot quand j'étais plus petit. Sinon, j'ai fait que de la boxe. Et voilà quoi. Ensuite, à l'âge de 14 ans, je suis parti pour la première fois en Thaïlande. C'est là que j'ai accroché vraiment la boxe thaï pure, tu vois, comme elle se pratique là-bas. Et après, voilà, au niveau de mon parcours scolaire, bon, j'ai arrêté plutôt jeune, j'ai arrêté à 17 ans, 18 ans, et je me suis vraiment consacré à la boxe à partir de ce moment-là, tu vois, où j'ai commencé à passer professionnel à 18 ans. Et après, je suis parti en Thaïlande à 19 ans et j'ai vraiment boxé que là-bas, quoi. En fait, c'était un rêve de gamin, tu vois, de devenir champion de boxe, tout ça, champion de boxe thaï. Donc vraiment, moi, en gros, dans ma tête, c'était ça, tu vois, j'avais vraiment pas d'autre idée. Après, l'école, ça m'intéressait pas forcément. Vraiment, depuis l'âge de 14-15 ans, j'avais déjà ça en tête, tu vois. Après, je savais que je pouvais pas le faire tout de suite, alors il fallait que j'aille à l'école, tout ça. Mais vraiment, moi, c'était vraiment ça dans ma tête. C'était partir en Thaïlande et puis faire une carrière de haut niveau dans la boxe thaï. C'est beaucoup de sacrifices, tu vois. C'est très dur parce qu'il faut beaucoup s'entraîner. Il faut éviter un peu tout ce qui est une vie de jeune, en fait, tu vois. C'est que s'amuser, sortir, tout ça, on peut pas le faire, tu vois. Parce qu'il faut vraiment se consacrer à ça. Il faut s'entraîner, il faut se préparer physiquement, mentalement. Ça veut dire c'est que des sacrifices, en fait. Et voilà, moi je me suis mis. J'ai aussi ma famille qui m'a vraiment soutenu, tout ça, par rapport à mes voyages en Thaïlande, par rapport à tous mes sacrifices, tout ça. Mais j'ai aussi ma famille qui était derrière moi, mon oncle, mon entraîneur. C'est mon oncle aussi, j'ai eu cette chance aussi d'avoir mon oncle en tant qu'entraîneur. Ça aide aussi, tu vois. C'est une station balnéaire, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas. C'est-à-dire que je parle tout le temps français, j'ai beaucoup d'amis français qui vivent là-bas. Je suis un peu, en gros, je suis un peu en France, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de vacanciers français, tu vois, il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup des mecs d'un peu partout, tu vois. C'est-à-dire que je côtoie beaucoup la France. C'est-à-dire que je mange même au niveau de la nourriture, tu vois, je mange beaucoup thaï, mais je mange aussi beaucoup dans les restos français, parce qu'il y a vraiment tout, il y a vraiment toute la France là-bas, en fait, tu vois. À Phuket, il y a vraiment tous les Français, donc je suis pas vraiment coupé de mes sources ici, tu vois. Bon, après, voilà, après, il y a toujours ma famille qui est ici, donc je suis toujours lié avec la France, tu vois, parce que, voilà, il faut que je reste en contact avec toute ma famille, avec quelques amis que j'ai ici. Voilà, la France, ça fait toujours partie de moi. Je suis un peu, comme tu disais, par exemple, les élections, tout ça. Après, je suis vraiment un peu loin de ça parce que c'est mon mode de vie. Là-bas, je suis vraiment pas soumis à... Je suis vraiment pas soumis à, par exemple, un régime ou, tu vois, des politiques, etc. Parce que je suis un expat. Mais en Thaïlande, tu peux vivre sans te soumettre à la société, tu vois. Tu peux vivre un peu comment on dit? De façon autonome, tu vois, tu vis vraiment de façon autonome. T'as pas besoin d'avoir des Thaïlandais vraiment autour de toi pour vivre comme t'en as envie, tu vois. Alors qu'en France, t'es un peu soumis, aux lois, un peu soumis à la société, etc. C'est-à-dire qu'on est un peu trop perdu dans la société, en fait, tu vois. T'es vraiment un peu
Il y a trop de. Les médias, ils te mettent trop de trucs en tête. Puis toi, tu peux pas vraiment te faire ta propre idée de ce que tu vois, en fait. Alors, les jeunes, ils sont obligés de tous suivre la même voie. Tu vois, je vois que t'es moins libre, en fait, tu vois. Moi, j'ai pu choisir la liberté vraiment de faire ce que je voulais. Et je vois par rapport à ceux qui sont restés ici, ils suivent un peu, tu sais, cursus scolaire, travail, métro, boulot, dodo, un peu comme on dit, tu vois. Parce qu'ici, t'es obligé, en fait. Moi, je fais mes trucs à côté, tu vois. Je vends un peu de matos de boxe. Je fais un peu de tourisme, tu vois, je place des, comme je te dis, c'est une station balnéaire à Phuket, je m'occupe un peu des Français qui arrivent, je les place dans des chambres, tout ça. Enfin, on fait comme on s'arrange comme on peut, tu vois. Mais vraiment que de la boxe, c'est très 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 difficile d'en vivre. Je pense même pas qu'il y ait un boxeur, un Français, je te parle, hein, je pense même pas qu'il y en ait un qui vive que de ça. Je commence à y réfléchir, parce que bon, déjà j'ai une petite fille, tu vois, donc ça change un peu comment tu vois la vie. Donc maintenant, voilà, je pense plus à vraiment, bon, pas tout de suite arrêter, je sais que j'ai encore de belles années à boxer devant moi. Et voilà, quoi, moi, je pense que je peux vraiment pas te dire où est-ce que je vais finir, tu vois, parce que la vie là-bas, elle est vraiment bien. Mais bon, après, c'est toujours une question de famille, tout ça. J'aimerais bien aussi revenir plus proche de ma famille. Après, je sais pas si je peux arriver à vraiment, à eux les amener là-bas, ou ça se trouve, choisir un autre pays, je peux pas savoir, tu vois. Je préfère pas trop penser à ça, mais vraiment penser à ce que j'ai à faire maintenant et dans un futur plus proche. Le message qu'il faudrait passer, c'est vraiment quand tu as une idée, quand tu as vraiment un rêve, un truc que tu veux vraiment faire, c'est faut vraiment y croire et vraiment se donner à fond, tu vois. Faut pas lâcher, faut pas forcément écouter tout le monde, faut vraiment se fier à soi-même et faut y croire, en fait, tu vois. Faut vraiment y croire à vraiment ce que tu veux faire, et puis tu trouveras toujours une solution pour y arriver. Forcément, c'est sûr, t'as toujours des gens, t'sais, comme des gens qui sont jaloux, des gens qui croient pas, qui essaient de te dissuader, qui te dire ouais, de toute façon, c'est comme partout, hein, tu rencontres des gens bons, des gens mauvais, t'as des gens qui vont t'amener vers le haut, d'autres qui vont essayer de te tirer vers le bas, t'as des mauvaises fréquentations. Faut toujours garder ta lignée, tu vois, faut toujours regarder devant et te fixer à ton point, ce que t'avais prévu au départ, quoi, tu vois. Faut vraiment s'y fier. Pesaki, hein, tous ceux d'ici là, tous les grands de Librac, tout ça, moi je sais qu'ils me soutiennent, hein, surtout ma famille, hein, comme d'hab. Un gros big up à NR Prod, un gros big up à Daouda aussi.